think my partner's a rat. We gotta shut him up. They want a war, they got a war. Grand Theft Auto 3. Out now on PlayStation 2 and coming soon to PC. Rated M for mature. Salut à tous, c'est la salle. Dans cette vidéo, je vous ai présenté une partie des trailers de GTA 1, GTA 2, GTA 3 et GTA Vice City. Alors j'aurais pu continuer, hein, j'aurais pu vous présenter San Andreas, etc. Mais j'ai décidé de m'arrêter là parce que de toute façon, c'est pas une vidéo dédiée aux trailers de GTA, c'était simplement pour vous donner une information. Alors comme vous l'avez vu depuis très longtemps, GTA a toujours été une tuerie, même si ceux qui sont nés après 2000 et qui voient comment étaient GTA 1 et GTA 2, bon ça a dû leur faire un choc. Ça doit faire bizarre de savoir que GTA était comme ça à l'époque et qu'il n'était pas du tout comme GTA 5 comme on le voit à l'heure actuelle. Ni même comme San Andreas ou Vice City, hein, ne serait-ce que par la vue, puisqu'on avait une vue de haut, donc c'était tout simplement... Enfin, c'est... là, au jour d'aujourd'hui, c'est dégueulasse, mais à l'époque, croyez-moi que c'était juste magnifique. Alors là, l'info que j'ai à vous donner, c'est pas sur GTA 3, et c'est pas non plus sur GTA Vice City, c'est sur les deux premiers bouts de trailer que je vous ai montrés, donc GTA 1 et GTA 2. Ils devraient être normalement bientôt disponibles sur le PSN, donc on pourra les acheter sur le PSN. C'est pas une source officielle, donc on attend de voir si ça va se confirmer ou pas. De toute façon, c'est simple, si ça se confirme, on le saura dès demain, puisqu'en fait, la date de sortie, elle est normalement programmée pour le 5 mai 2015. Et donc en Europe, on devrait le voir arriver le 6 mai 2015. Ou alors, si ça arrive pas le 6 mai 2015, c'est pour la prochaine mise à jour du PlayStation Store. Par contre, si ça arrive, ce sera sur PS3, donc je sais pas si ce sera sur PS4, mais je pense pas. Donc pour tous ceux qui ont la nostalgie de GTA et GTA 2, ou ceux qui aimeraient tout simplement le tester, faudra retourner sur PS3. Imaginez quand même que ces jeux étaient disponibles sur PS1 et sur PC, donc ça date, et je dois vous avouer que rejouer une petite demi-heure dessus pour se rappeler son enfance, ça doit faire vraiment plaisir. C'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao!